Salut à tous, c'est Ice-T et Vig. Ouais. Donc aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on est sur Call of Duty Black Ops en ligne. En ligne. Et vous pouvez. Donc on est sur Fringe Range, la map Fringe Range, qui est ma foi très bien. Hein. Donc je vais commencer à jouer. Ouais. Et dès que je suis mort, je passe à Ice-T. Voilà, et vous allez voir que c'est pas du tout le même niveau de jeu. Hein. Voilà. Bon, moi, ça fait quelques jours que j'ai pas joué quand même. Hein. Ouais. Bon. On va faire avec. Donc Call of Duty Black Ops a un excellent jeu en ligne. Parce que l'histoire ne vaut rien, selon moi, c'est personnel. Mais en ligne, il est juste fabuleux. C'est selon toi, c'est selon tout le monde. Bah oui. Et il est juste fabuleux en ligne. Comme les autres Call of Duty, je voudrais dire, mais celui-là, ouais, il fait top buté. Il aussi. Enfin, j'aime bien la Kalashnikov Tiger. Bah, c'est très discret. Ouais, c'est ça le truc. Bah, du coup, je l'ai fait pourquoi moi. Bon, pas qu'on peut vous. Et de 1, voilà. Il a fait un salto arrière. Et de assistance, ça. Je déteste ça. Ah oui, ça, c'est vraiment le truc pour les paumés, ça. C'était vraiment dingue. Genre, vous avez pas réussi à le tuer, mais on file un peu de points quand même. Bon, c'est toujours sympa. Bon, ça sert à rien. Ouais, c'est pas faux. C'est quoi que tu comprends pas? Pourquoi y a le truc là? Il y a le seul truc là-bas. Où ça? Ouais. Ah, les gars, on y va à droite. À droite. Ouais, c'est là. Moi, je suis buté. Il a fait le coup d'or. Oui, il est très mauvais, lui. Encore plus mauvais que moi. Et ce n'est pas peu dire. Ouais, ça. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Eh ben, c'est ça que ça fait, allez-y. Et alors, donc, en plus, on peut jouer à la voiture téléguidée. Oui, donc ça nous permet de vous montrer l'R6D. C'est pas une vraie nouveauté, mais. Voilà, enfin, c'est vachement bien, je trouve. Enfin si, c'est une nouveauté du jeu, vous m'avez compris quoi. Bon, je fais un peu de campus, mais c'est pour avoir la frappe de Napalm, après je sors. Allez, on sort un peu. Ouais. Ce jeu des fois est très rythmé. Oh, vous avez eu un super style en bas. Ce jeu parfois est très rythmé et parfois il est mort quoi. Genre Là. Il se passe un mec dans la fenêtre, là, dans la fenêtre. Oui, mais il est avec moi. Lui aussi avec moi d'ailleurs. Alors que lui non. Et voilà, frappe de napalm. Hop, hop. Jack. Et voilà. Bon allez, je vais un peu sortir maintenant. Ma frappe n'a fait aucun kill, comme vous avez pu le constater. C'est normal. C'est ta frappe. Allez, encore un, j'ai l'hélicoptère de combat. Ah, je peux tirer la sulfateuse. Non, l'hélicoptère de combat, ce n'est point ça. Mais c'est quoi le truc du... L'hélicoptère de combat, en fait, c'est un hélicoptère qui tue les gens. C'est tout. Sulfateuse, en fait, il faut faire 11 kills. Enfin, il faut l'activer, hein. Il faut faire 11 kills. Donc moi, comme je fais jamais 11 kills, je l'ai pas activé. Vas-y, sors un peu. Attends, il y a un mec là-haut. Ah, assistance. Bon. Je déteste faire des assistances. Vas-y, bon, vas-y, sors un peu. Non! Mais oui, t'es mort, là. J'ai loupé. Bon, Ice-T de jouer, hein. Ah, après, j'avais l'hélicoptère de combat. Je peux y aller à fond, moi, vous allez voir, moi, je suis un fou, hein, moi, t'es. À un kill près, j'avais l'hélicoptère de combat. Mon, c'est mignon. Et j'ai foiré mon lancer de grenade. Donc là on est en tête, hein, 3800 à 1900, donc on leur met une petite rousse hein, quand même. Bon allez, je suis bon, je te laisse continuer à jouer. Je suis bon, donc toujours ici à la manette. Je n'ai fait que 5 kills, hein, aussi. C'est pas faux. C'est pas beaucoup. Non, il est avec nous. C'est lui qui a voulu tirer dessus, moi j'ai rien fait. Donc Call of Duty, bon, on va pas le présenter parce que tout le monde le connaît, je crois. Donc il est vraiment excellent, je l'ai déjà dit. Mais ouais, tu l'as déjà dit beaucoup. Il faut le souligner. Enfin, je trouve, hein. Donc attendez. Il y a des add-ons qui sont sortis. Donc je les ai pas téléchargés parce que je trouvais que payer 70€ ça valait assez plutôt que payer des add-ons après. Enfin, voilà. Donc Call of Duty Black Ops, édité par Activision et développé par Treyarch. Ouais. Donc c'est. Sorti le 9 novembre 2010, déconseillé au moins de 18 ans. Hein. On comprend pourquoi, il n'y a pas beaucoup de morale. Voilà.
est noté 18 sur 20 par jeuxvideo.com. Et voilà. Et 16 sur 20 par l'avis des lecteurs. Donc voilà. Ah, j'en profite pour dire un merci à tous ceux qui nous suivent sur les forums, qui sont super sympas. Donc ouais. Je vais un peu jouer parce que là il fait n'importe quoi. Donc je vais continuer de dire un peu les merci aux gens quoi. Merci aux gens qui se reconnaîtront, parce que les noms. Oui, les noms, tu dois pas les connaître. Non. Donc merci à vous. Sur YouTube aussi, vous êtes super sympa. Je sais pas si c'est YouTube qui fait ça ou. Vous êtes super sympa sur YouTube. Alors que c'est marrant parce que sur jeuxvideo.com, il y a des forums où vous êtes super sympa. Et puis il y a des forums où vous êtes pas sympa du tout. Ça, j'ai mystère. Un mec juste là. Putain. Je l'avais vu, mais bon. Oui, tu l'avais vu. On le voit toujours. Là, il l'avait vu. Non, on le voit toujours. J'ai fait, il y a un mec juste là et je suis mort. Donc, je pense qu'on va gagner hein, 5007 à 4000. Bon. Voilà. Ouais, tiens. Ah oui, t'as été tué par l'hélicoptère. Hein. Ouais, il ne faut jamais sortir quand il y a l'hélicoptère de combat. Mais je suis connu non plus. Petite technique à moi qui ne sert absolument à rien, je me mets là. Bon, on ne voit rien, certes. Le gaz Nova, c'est vachement utile hein, pour ceux qui jouent. Je l'utilisais jamais avant, je me suis dit, oh, ça sert à rien et tout. Mais détrompez-vous, c'est vachement utile. Donc là, je vais vous expliquer un peu la classe que j'ai pris. J'ai pris donc le AK-47, bon, le camouflage tigre pour me la péter, plus le C200, je sais quoi, Z. Le flingue, enfin c'est le dernier flingue en fait. Hein. Silencieux et double chargeur au AK. C'est vachement pratique parce qu'on ne voit pas sur la carte quand on tire, tout ça. Et puis l'AK c'est quand même une super bonne arme. Donc hop, lui il est mort. Comme atout, j'ai pris deuxième chance pro, seigneur de guerre pro. Et le dernier, je sais plus. Au cas où on vous montrera à la fin de la vidéo juste les derniers atouts que j'ai pris. Et hop, assistance. Donc là, bon, on joue pas super bien, hein, donc on joue toujours mieux quand il n'y a pas la vidéo. Et comme ça faisait quelques jours que je n'avais point joué, oh, R6D ennemi, il ne m'a pas vu. Voilà. Ah, ce que je voulais dire aussi, c'est ce qui est dommage dans ce mode online, c'est qu'il n'y a plus la bombe nucléaire. Donc pour ceux qui ont connu Call of Duty Modern Warfare 2, enfin qui ont connu, c'est il y a 2 ans donc. Vous devriez l'avoir connu, et ben il n'y a plus la bombe nucléaire. Et ça, c'est bien dommage. Bon, c'est sûr, j'arrive jamais à faire 25 kills d'affilée, mais j'aurais pu. Donc voilà. Donc, lui, je vais me faire tuer, c'est un mec là-bas. Bon, voilà. Donc, je vais juste vous montrer vite fait. Hop, attendez, je trouve ça. Vite fait la classe que j'ai créée, et après, on vous laisse. Ouais. Un petit truc à rajouter. Qu'est-ce que tu penses du jeu avec ici? Pas mal. Il est bien. Ah oui, il est ouais, pas mal. C'est qu'il est pas mal, quand même. Le monde online, il est sympa. Oh, on ouais, a fait 8-5 ouais. Quand même. Nous, on a gagné, voilà, on a tout défoncé, nous. Plus positif, quand même. Voilà. Donc voilà, donc même Ice-T dit que Call of Duty est bien. Mais oui. Ce qui est beau. Donc alors, je vais vous montrer les classes que j'ai créées. Donc celle-là, j'ai rien fait du tout. J'ai celle-là. Donc, pas 12, avec silencieux. Ça, au corps à corps, c'est magnifique. Enfin, dès qu'il y en a un prise, vous, tu mets une bastos et c'est fini, quoi. Le Python, Semtex, Gaz Nova, Claymore, Phantom pour qu'on voit pas sur les radars. Cette classe, c'est vraiment une classe assez silencieuse, en fait. Hein. On vous voit pas sur les radars. Quand vous tirez, on vous voit pas. Tour de passe-passe pour recharger plus vite, parce que le SPA 12, tout le monde sait que ça met 30 piles à recharger. Mmh. Et deuxième chance, c'est-à-dire que quand on se fait tirer dessus, on a encore par terre avec le flingue pour tirer. La classe que vous venez de voir, avec, ah voilà, implacable. Donc, je sais même plus ce que c'est, implacable. Implacable. Ah oui, en fait, au lieu de tuer 3 personnes avant d'avoir les bonus de série, j'en tue plus que 2. Ou au lieu d'en tuer 5, j'en tue 4, voilà. Ma classe avec la UG, bon, rien de spécial, hein. Là c'est juste qu'à la place de la carte, j'ai la UG. Et la dernière, la classe Sniper, avec Phantom, Impact Lourd et Ninja. Ninja c'est vachement pratique. Et l'arbalète. Voilà. Donc moi je conseille vraiment cette classe-là. AK-47, double chargeur, silencieux. CZ-75 avec grand chargeur. Semtex, Gaz Nova, Claymore, Implacable, Seigneur de Guerre Pro, deuxième chance pro.
Voilà, donc je crois que c'est bon. Oui, ouais. Ouais. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Ouais. Commentez, aimez, et puis regardez les autres vidéos. Regardez les autres vidéos. Et continuez à nous soutenir sur les forums de jeuxvideo.com. Ouais. Bah merci à tous. Mignon.